Salut à tous, c'est le deuxième épisode de Let's Play Donkey Kong Country. On va tout de suite attaquer le boss du premier monde. Ah, oups, je me trompe de touche. Bon, celui-là est vraiment facile. Dans ce jeu, les boss, c'est souvent des versions géantes des petits monstres des niveaux habituels. Ok, on a récupéré une grosse banane. Jungle Congo terminé. Mine des macaques, c'est le deuxième monde. Alors dans ce monde, on va découvrir des mines, des wagonnets, des cavernes. Chemin de Winky. Allez, à toi Didi. Winky, c'est notre ami la grenouille. Notre ami que voici. Alors elle fait des super sauts. On est déjà à la sauvegarde. Allez, plein de bananes. Bananes, c'est vraiment trop cool. Bien sûr, à chaque fois que vous obtenez 100 bananes, ça vous donne une vie. Allez, on va prendre ça. Ah! Oula, qu'est-ce qui m'arrive? Premièrement, j'ai perdu les deux autruches dorées que j'avais eues jusqu'à présent. En fait, je me souvenais plus, mais bon, j'avais pas besoin de retourner ici, c'est pas grave. Je me souvenais plus que quand on sauvegarde le jeu et qu'on reprend, plus tard, on perd par exemple, les autruches dorées et ainsi de suite, et les autres animaux. Bon, c'est pas très grave, hein. Ça m'intéresse pas spécialement d'aller là-dedans. Voilà, c'est tout pour ce niveau. C'est vraiment un niveau miniature, il y a juste un bonus. Il se passe vraiment pas grand-chose. Alors par contre, celui-ci. Alors là. Ah zut! Je faisais exprès de rien dire hein, parce que j'écoutais la musique. C'est un des niveaux les plus rigolos du jeu avec une des meilleures musiques. Ah cool, j'ai réussi à avoir la banane et à ne pas perdre. Le régime de banane plus précisément. Je sais pas comment ils font pour arriver à sauter et à retomber sur les rails. Ah la vie, j'ai raté. Avoir des réflexes dans ce niveau. Là, faut sauter le plus tard possible. J'ai plus droit à l'erreur vu que j'ai perdu Didi. Le dernier, ouf, c'est bon. Le dernier, il est vraiment vicieux. Mais je me souvenais. Ok, filons, filons. Allez, une caverne un petit peu lugubre. Tiens, je l'ai tué bizarrement, lui. Qu'est-ce qu'il faut faire avec ce pneu? Rien du tout. Par contre, ce tonneau-là, je crois qu'il faut le garder. Pour ça.
Alors on va essayer de prendre la vie. Voilà. Bravo Donkey. Du pneu pour atteindre la sauvegarde de milieu de niveau, et là faudrait pas qu'il tombe. Oups. Non, je crois que c'est pas grave parce qu'on peut passer quand même, parce que Didi il saute assez haut s'il me semble. Ah non, peut-être pas. Je crois qu'on peut, mais que c'est difficile en fait. Voilà, tout ça pour avoir le N. Mais sinon on peut passer par en dessous, ça marche aussi. Par contre, pour aller ici, je sais pas si on peut y arriver par en dessous. Je me souviens plus. Alors là, la grenouille, elle est pas forcément. Ah oui, on pouvait passer par en dessous avec le pneu. La grenouille, elle est très sympa, mais c'est vrai qu'elle est... elle est pas des plus pratiques pour ce qui suit, parce qu'il y a des abeilles comme ça. Alors, faut bien calculer ses sauts. Si elle nous aide bien quand même, parce que sans la grenouille, ça serait encore plus difficile, je pense. Le G. Alors, il me semble qu'il faut garder la... donc Winky, la grenouille, jusqu'au bout. Ou alors, utiliser le pneu pour atteindre un bonus, juste ici. Allez. Pas la peine de s'attarder. Fini. Filon filant, terminé. Station feu rouge et vert. Alors ça c'est un niveau assez rigolo. En plus déjà il y a un passage secret. Voilà. Vous entrez là et c'est vous arrivez à direct presque directement à la fin du niveau. Attends, pas que je fasse de bêtises quand même. Voilà, le niveau est terminé. Alors cependant, on n'a eu aucun bonus, donc on y retourne. Et cette fois-ci, on le fait vraiment. Donc faut appuyer sur les... enfin, faut toucher les tonneaux stop pour stopper donc les ennemis très dangereux qui sont là. Je me souviens plus comment ils s'appellent. Et bien sûr, ils restent stoppés seulement pendant une certaine durée. Donc il faut se dépêcher. Alors ici il faut prendre le tonneau absolument pour avoir un bonus qui est juste là. Et c'est plus facile d'utiliser Diddy Kong pour l'ouvrir, parce que Donkey il porte les tonneaux au-dessus de sa tête. Et donc là s'il l'avait lancé, donc si c'était Donkey Kong qui l'avait lancé, le tonneau aurait touché le passage secret, comment dire, il l'aurait touché trop haut. Et ça aurait pas pu l'ouvrir. À moins de le lancer vraiment d'une façon très bien précise, d'un petit peu plus loin. Et là, il y a un passage secret qui est indiqué par 3 bananes. Voilà, terminé. On a eu tous les bonus. On peut s'amuser à aller jusqu'à la fin du niveau. Mais comme on a déjà terminé tout à l'heure, on peut aussi appuyer sur Start. Et ensuite appuyer sur Select pour le quitter directement. Mais bon, là on n'est pas là pour faire un speedrun, on est là pour s'amuser. Alors bien qu'un speedrun soit très amusant. Ok, station forgée vert fini. Qu'est-ce qu'on va faire? On va sauvegarder tout de suite ou pas? Non, on va continuer un petit peu parce que là ça fait pas très longtemps qu'on joue. On va faire le moulin maboule, ça c'est rigolo. Pardon. Ça, c'est un beau décor de temple. C'est un niveau assez sympa. Ambiance un petit peu antiquité romaine. Oula. J'avais envie de garder le tonneau, je sais plus si ça servait à quelque chose. Non, pas encore. Par contre, pour aller là-haut, c'est assez chaud.
pour aller là-haut, je crois qu'il fallait amener un pneu. Mince. Bon, ça, c'est pas grave. Ok, alors on va essayer de pas perdre. Ah, c'est le tonneau de TNT qu'il faut garder, ça je me souviens. Alors, on va essayer d'obtenir cette vie. Ah, elle est là. Donc les ballons rouges, c'est une vie, les ballons verts, deux vies, et les ballons bleus, trois vies. Allez, on continue. Sauvegarde. Je prends Diddy Kong. C'est pas ça que je voulais faire, c'est pas grave. Là, je disais, je vais prendre Diddy Kong. Je crois que là, je suis en train de rater un truc, mais c'est pas très grave. Il n'y a pas de bonus là-haut. Il y a juste une grenouille. Je sais plus s'il reste encore des bonus. Il me semble que non. Oula. Non, oups. J'ai failli mourir là quand même. On a presque fini. Et voilà. Oula ma boule, fini. Alors je vais pas faire le boss maintenant parce que si je vais dans le monde suivant, je pourrai plus revenir, sauvegarder. Donc on va mettre fin à l'épisode. Ok, merci à tous de m'avoir suivi. 20 minutes, 27%. À bientôt, ciao ciao.